Je vous montre deux façons de partager un lien facilement dans Chrome. La première, c'est peu connu, mais on peut envoyer des gens directement au bon endroit sur une page, n'importe où sur le web, avec Chrome. Par exemple, ici, je suis dans un article de blog, l'excellent blog Zone APU. Alors, je viens surligner un endroit du texte. Donc, il y a le long texte qui est là avec des images, mais moi, je veux spécifiquement envoyer les gens à cet endroit-là dans le texte. Donc, je viens surligner le texte, je clique droit ou j'appuie avec les deux doigts sur le pavé tactile. Et là, j'ai des options qui apparaissent. L'option qui m'intéresse pour cette vidéo, c'est copier le lien vers le texte en surbrillance. Alors, je clique là-dessus et maintenant, le lien qui vient de se copier dans mon presse-papier, c'est le lien qui mène directement à cet endroit-là dans le texte. On va vérifier. Je vais ouvrir une page qui est complètement déconnectée. Alors, j'ai une page ici et je viens coller ce lien-là. Et on voit en s'ouvrant que ça amène directement à l'endroit surligné. Donc, pas simplement à la page et ensuite, il faut se retrouver dans le texte. Ça amène directement à l'endroit où je voulais porter, que les gens portent attention dans le texte. Autre chose. Si je veux envoyer ce texte-là à mes élèves dans Classroom, j'ai maintenant un nouveau bouton avec la mise à jour 99 de Chrome OS. J'ai un nouveau bouton qui est partagé ici dans l'Omnibox. Je clique sur ce bouton et j'ai des options de partage qui sont directement offertes à moi. Je peux venir copier ici et venir coller ça dans Classroom ou encore plus simplement, j'ai qu'à venir ici et à cliquer sur Classroom. Ça ouvre l'appli Classroom et je peux faire, par exemple, une annonce ou élaborer un devoir. Le lien est déjà là. Allez voir ça. Et je l'envoie.